spectateurs, bienvenue à votre émission Le Mariage chez nous. Cette émission vous a donné la possibilité de connaître comment le mariage se prépare et se célèbre dans beaucoup d'ethnies du Tchad. Aujourd'hui, grâce à la présence des deux invités sur notre plateau, nous saurons qu'est-ce que l'Église catholique a dit sur la préparation et la célébration du mariage. Et pour nous aider à comprendre, nous avons Jean-Pierre Ngaina et le formateur et coordinateur de la pastorale familiale de l'archidiocèse. Pour en savoir plus, suivez mon plateau. Bonjour. Bonjour. Bonjour Diombet. Bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce que l'Église catholique a dit sur la préparation et la célébration du mariage. Pour commencer, je me tourne vers vous, mon père. Dites-nous un peu, comment est perçu le mariage dans l'Église et quelles sont les grandes étapes du mariage dans la tradition chrétienne catholique? Le mariage, je crois que pour parler du mariage dans l'Église catholique, il faudrait d'abord voir comment le mariage est vu dans la tradition ou dans la coutume, parce que c'est ce même mariage qui, dans l'Église catholique, a été transformé par le Christ pour être un sacrement. Alors, on va demander à Monsieur Diombet Dioninga Augustin, qui est marié et qui est aussi formateur de la pastorale familiale, on va lui demander de nous expliquer en quelques paroles comment on voit le mariage traditionnel, et comme ça on va rattraper dessus pour dire comment ce mariage de la tradition est transformé par le Christ dans l'Église catholique. À vous la parole. Oui, merci. Nous savons que dans nos sociétés traditionnelles, le mariage est une alliance entre deux familles. Une alliance donc qui est formée en vue de fonder une nouvelle famille. Oui. Mais aussi une alliance en vue de vivre la solidarité. Alors, pour cela, pour arriver vraiment à conclure une bonne alliance dans laquelle on peut vivre harmonieusement la solidarité, les démarches pour constituer le mariage ne se font jamais dans la précipitation ni avec légèreté. Et pour comprendre cela, nous allons aborder deux étapes que je trouve très importantes et qui déterminent la suite. Alors, nous allons parler du choix et des fiançailles. Et un bon choix donc des fiancés, c'est ça qui arrivera donc à un bon mariage. Et pour ce faire, il faut d'abord des enquêtes préliminaires, pointueuses si je peux le dire. Voilà. Et c'est à partir des enquêtes préliminaires que on pose le vrai choix, que ce soit un choix entre les intéressés eux-mêmes pour en informer les parents ensuite, ou bien que ce soit un choix fait par une tierce personne. Donc ça peut être le père, la mère ou la tante, etc. Alors, donc, quand ce choix est fait et lorsque on s'assure que des conditions qui vont favoriser donc la conclusion de ce mariage sont là, lorsque on voit qu'il n'y a rien qui peut donc être un obstacle, à partir de ce moment, les deux parties s'engagent donc à cheminer ensemble. Voilà, ils s'engagent à cheminer ensemble. Et lorsque on est sûr des informations qu'on attend de l'une ou l'autre partie, voilà. Et donc voilà, à ce moment-là, commencent les fiançailles. Et les fiançailles, il faut que ça soit aussi des fiançailles normales. Voilà. Et comme nous le savons, les fiançailles sont un temps de vérification des informations qu'on a obtenues pendant que l'on fait des enquêtes
pour poser son choix. Et cette vérification se fait donc par une observation active, mais aussi par des mises à l'épreuve. Et les fiançailles sont plus ou moins longues, régulières et même laborieuses. Et c'est en vue de vérifier les qualités physiques, les qualités morales, les qualités intellectuelles, et les qualités psychologiques. Et donc tout cela, ça se vérifie aussi pendant ce temps-là. Et ce n'est pas seulement ici chez nous. La même chose se fait aussi ailleurs. Dieu donne cette sagesse-là un peu partout. Il y a 2 ou 3 ans, le pape François, dans sa catéchèse sur les fiançailles, s'est servi du livre de Alessandro qui parle des fiancés. Et là, le pape, dans sa catéchèse, dit que les fiançailles doivent être un travail artisanal. Oui, et donc là, il compare le travail de l'artisan qui le fait avec application pour pouvoir réaliser une œuvre, comme la sculpture par exemple. Oui, oui. Voilà, et donc la municie que utilise l'artisan pour travailler, le pape dit que c'est ça qui doit aussi exister pendant les temps de fiançailles. Voilà. Et donc, ça veut dire que il y a des actions. Il y a des actions qui sont donc à poser pendant les temps des fiançailles. Il y a des valeurs qu'on attend donc pendant ces temps-là. Et alors, on peut peut-être parler de la demande de main, qui est une action qui rassure si on est l'élu, voilà, dans cette maison où on va. Il y a aussi quelquefois des promesses de fidélité entre les futurs conjoints, mais il y a également l'observation, donc surtout de l'abstinence sexuelle qu'on attend de la part des fiancés. Oui. Ce n'est que juste quelques éléments, voilà, pour un peu donner l'occasion donc au Père de dire ce que l'Église vraiment attend de cela. Voilà. Est-ce que l'Église valide cela ou bien qu'est-ce que l'Église dit je pense que c'est très important ce qu'il a expliqué, parce que l'Église, le Christ, l'Évangile ne vient pas gommer un mariage qui existait pour fabriquer un autre qui soit chrétien, mais c'est à partir de ce mariage-là que le Christ vient valoriser, vient sanctifier par sa présence. Alors, la première chose importante qu'on a entendue chez Augustin, c'est déjà le terme de l'alliance. L'alliance entre deux familles. Oui. Et chez nous en Afrique, ça c'est très fondamental. Oui. C'est pas, l'alliance n'est pas entre deux individus qui se connaissent ou qui se fréquentent, mais l'alliance qui commence entre deux individus, parce que c'est eux qui se regardent et qui se choisissent, est étendue à toute la famille. Vous voyez, si les intéressés se choisissent et puis les parents ne sont pas d'accord, le mariage n'aura pas lieu. C'est fondamental. Et puis, quelque chose que je voudrais ajouter, c'est aussi qu'il y a des logiques dans les systèmes de mariage coutumier. Parce que les logiques, tu vois, chez les Kanambou, chez les Massa, chez les Mundan, chez les Sara, les logiques ne sont pas les mêmes. Et donc, quand on s'aime, il n'est pas dit que tu dois aimer forcément celle que l'amour. On peut choisir n'importe quelle personne, de n'importe quelle... Voilà. Et si vous êtes de deux coutumes différentes, il faut savoir les adapter. Et donc, c'est ce que je voulais signaler dès le départ, parce que cette conception du mariage qui est selon la tradition, c'est cette considération que le Christ va venir sanctifier et bénir à travers l'annonce de l'Évangile. Et donc, pour parler un peu de l'évangile dans l'église du mariage dans l'église catholique, j'ai à côté de moi le livre du code qui définit
clairement ce que c'est que le mariage. Je voudrais lire cette petite partie au canon 1055 qui dit que l'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevé entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité du sacrement. Et c'est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit par le fait même un sacrement. Et donc, si vous voulez, ce que le Code l'a dit, c'est que le mariage, dans la tradition, dans la coutume, entre deux personnes, reste le même. Et c'est le même qui est valorisé par le Christ pour être un sacrement. Alors, un sacrement, disons, c'est quoi? C'est une réalité que Dieu donne à des personnes pour les toucher par sa grâce. Sacrement, c'est comme le baptême, c'est comme la confirmation, c'est comme l'Eucharistie, c'est comme voilà, le mariage, c'est comme l'ordination. C'est un sacrement, un don qui vient de Dieu. Voilà un peu comment le Christ et l'Église comprennent ce qu'on appelle le mariage dans l'Église catholique. Il y a maintenant un peu, le gouvernement a une loi qu'on appelle la loi positive qui interdit le mariage des enfants. C'est une chose louable. Dites un peu, dans l'Église catholique, est-ce qu'il y a des conditions pour célébrer le mariage? Par exemple, il y a un âge de qui pour se marier? Oui, dans l'Église catholique, il y a même beaucoup de conditions. À vrai dire, il y a même beaucoup de conditions parce que déjà, si vous n'êtes pas baptisé, vous ne pouvez pas célébrer le mariage chrétien. Ah bon? Vous ne pouvez pas célébrer le mariage chrétien. Je développerai ça un peu. Ce que vous posez au sujet de l'âge, l'Église catholique, dans le code de droit canonique aussi, fixe l'âge du garçon à 16 ans accompli. Il ne peut pas faire un mariage valide avant 16 ans accompli. Accompli, c'est-à-dire déjà 16 ans, pile quoi. Mm-hmm. Et puis une jeune fille ne peut pas accomplir un mariage valide avant l'âge de 14 ans. Et ça veut dire qu'il faut que ça soit 14 ans rond pour que ça soit valide et célébré. Alors, mais le code fait une ouverture en disant que la conférence épiscopale de la région ou bien l'ordinaire du lieu, l'évêque du lieu, peut, à son jugement, à son appréciation, décider autrement l'âge. Ça veut dire que si dans un pays on décide que bon, l'âge soit à 15 ans, ou bien à 17 ans, ou bien à 20 ans, bon, on se conforme. Donc cette latitude, cette ouverture est permise. Si à 14 ans et à 16 ans, ça fait problème, on peut reculer, on peut avancer jusqu'à 17 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans. Bon, ça c'est... Mais l'Église dit avant 14 ans pour une jeune fille, le mariage n'est pas valide. Avant 16 ans pour un garçon, le mariage n'est pas valide. Ok. Dites-nous encore un peu, quelles sont les difficultés que les gens rencontrent dans le mariage catholique, que ce soit au niveau des fidèles ou bien que ce soit au niveau des pasteurs? Alors, je laisse la parole à Augustin d'abord parce que il est marié, père des enfants, il a l'expérience, donc... voilà les difficultés que les gens, je dirais quelques difficultés au sujet des pasteurs, au sujet des familles, des fidèles. Bon. Oui, monsieur Augustin. Oui, au niveau des fidèles, les difficultés sont nombreuses. Mm-hmm. Mais c'est généralement des difficultés
que les gens entendent des autres quelquefois sans prendre le temps de vérifier et donc qui les bloque. Parmi ces difficultés, bon, ben, on peut parler aujourd'hui des difficultés matérielles et surtout financières. Parce que les gens pensent que quand on organise un mariage, voilà, il faut faire une grande fête. Donc les gens pensent seulement à la fête du mariage. Or, ce n'est pas la fête qui fait le mariage. Et la fête, on peut la faire n'importe quand. Le jour où on a des moyens, le jour où on est content, ou bien c'est les anniversaires. On peut le faire n'importe quand, quand on a des moyens. Mais les gens pensent déjà que c'est à la célébration qu'il faut faire la fête. Bon, ben aussi, comme le père avait dit tout à l'heure, les logiques sont différentes dans nos sociétés. Quand on va pour prendre une femme ici, c'est ah, chez ceux-là, bon, la dot est comme ça. Est-ce que beaucoup de bœufs. Donc il y a le problème de la dot qui les bloque aussi. Hein, qui bloque aussi les gens. Donc ils présentent une difficulté. Mais à côté de cela, il y a une certaine peur également. La peur de l'échec, parce qu'on dit, bon, mais moi je veux vivre ma foi, comme je ne connais pas bien ma femme, je vais l'étudier d'abord, je ne connais pas bien mon époux, je vais l'étudier. Donc il y a cette peur-là qui retient un peu les gens aussi, donc qui constitue une difficulté. Mais à côté de cela, bon, il y a ce que j'appelle à la fois de l'incapacité, mais et surtout de refus. Les gens se voient incapables de vivre ce qu'ils appellent, bon, pas que l'Église même appelle, quoi, les exigences du mariage chrétien. Mais nous, à la pastorale familiale, nous appelons cela les qualités. Les qualités. Voilà, et c'est ça qui fait que les gens disent que non, la monogamie, l'indissolubilité, tout ça, est-ce que l'on peut le faire hein? Parce que on a surtout les hommes ont en tête de prendre encore une deuxième femme et une troisième femme, etc. Et la femme dit, mais est-ce que je peux vraiment rester avec lui jusqu'à la mort, comme on le dit? Et les gens voient aussi quelquefois l'influence négative des parents qui vont venir les perturber. Tout ça, donc ils trouvent que soit ils ne seront pas capables, ou bien ils rejettent directement donc, la vie qu'il faut vraiment en accomplissant ces exigences-là. Et qui constitue une difficulté voilà, de s'engager. Mais à côté de cela, je peux aussi parler de l'ignorance. On ne se forme pas assez. Hein? On se forme plutôt au rabais. Et on ne comprend pas les bien fondés du mariage chrétien dans l'Église catholique. Et comme on ne se prépare pas, on ne se forme pas, on n'est pas éclairé, et donc on vit dans l'ignorance. Et voilà, on dit non, le mariage chrétien catholique c'est difficile, alors qu'on ne sait pas seulement ce que c'est que le mariage chrétien catholique, ce que ça apporte de bien. Padre, ça y concerne les pasteurs. Oui, c'est vrai que comme il disait, les qualités du mariage, certains trouvent assez difficiles, non? Quand, dans la célébration même du mariage, quand un pasteur engage les gens dans la célébration du mariage, pour les accueillir, il leur demande d'abord, est-ce que leur démarche de venir poser cet acte devant l'autel du Seigneur et devant l'assemblée en présence du Seigneur, est-ce que leur démarche est d'abord libre? Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte. S'il y a une contrainte, le mariage est invalide. Et c'est la même chose, je dirais, pour une fille qu'on a enlevée, par exemple. Non, le mariage ne pourra pas être célébré. Et puis, est-ce qu'ils sont conscients de poser des actes de fidélité l'un envers l'autre? Ça, c'est la première démarche. Et puis, la responsabilité. Est-ce qu'ils acceptent d'être parents?
Ben, si un couple vient dire, bon, nous, on veut bien se marier, mais on ne veut pas avoir d'enfants, c'est sûr que ça, c'est écarté. Il n'y a pas de mariage dans ces conditions. Alors, l'autre aspect aussi, c'est que les deux conjoints qui s'avancent et qui choisissent de poser cet acte de célébration du mariage, il faut qu'il soit fait en vérité. Et ça, c'est fondamental. Oui. Parce que s'il y a un qui cache quelque chose à l'autre, ça invalide du coup le mariage. Et donc, ce qu'il disait, la qualité du mariage qui terrorise parfois les jeunes, oh, c'est la grâce pour nous, c'est ça. Déjà la monogamie, toi et toi, c'est tout. Il n'y a pas un deuxième qui vient après, ni un troisième après. Les enfants, d'accord. Oui, femme. Ok. Une femme et un homme pour la vie. Toute la vie. Oui. Wow. Et monogamie, indissolubilité. Quand tu as scellé le mariage, là, si les propriétés du mariage sont reconnues, qui disent sa validité, on ne peut plus rompre ni reculer en disant on va divorcer. Non. On l'a scellé une fois pour toutes. Et c'est pourquoi il est demandé aux jeunes gens de faire une préparation minutieuse auparavant. Oui. Qu'on présente les propriétés du mariage, que moi, personnellement, je demande à la jeune fille quel est son regard sur la famille de son époux. Et au jeune époux, quel est son regard sur la famille de sa femme. Ça, c'est important. Parce que quelquefois, il y a des choses qui se passent dans les familles avant qu'on ne scelle le mariage. Il y a des murmures, il y a des paroles, etc., qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et par-dessus tout, les gens vont quand même au mariage. Sans préparer l'esprit, sans avoir apaisé la situation, ils vont au mariage. Et ça, c'est assez... Le pasteur, pour lui, la difficulté... C'est d'être roulé dans la poussière. Quand les gens viennent dans les préparations, ils discutent, ils échangent, ils me posent des questions, les gens répondent en cachant les choses. Et ça, c'est malhonnête. Et ça, ça fait que après, si on analyse et qu'on voit que ces choses étaient existées même avant la célébration du mariage, et que la personne a fait exprès de cacher cela pour pouvoir marier la fille, c'est déjà des germes d'invalidité du mariage. Ah, donc après on peut aussi invalider. On peut couper, invalider le mariage pour permettre à la personne de se marier correctement après. Ok. Et est-ce que... Avec tout ce que vous dites, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui à l'église catholique, ils acceptent, ils célèbrent leur mariage à l'église ou bien ils ont un peu peur? Non, il n'y a pas de peur. Moi, je ne pense pas. Les jeunes qui ont peur, ce sont ceux qui ne sont pas informés. Ceux qui ne sont... Parce que, vous voyez, la fidélité, c'est quelque chose qu'on désire tous. On désire tous. Et puis l'amour, c'est quelque chose que nous désirons tous. Et puis nous désirons être avec une femme qui nous respecte, qui nous aime, et pour toute la vie, dans les difficultés comme dans les joies. Mais le problème, c'est que on n'a pas à l'épreuve de la vie fait que certaines personnes reculent. Ou bien il y a des personnes mal intentionnées en disant ben, je vais prendre telle personne, mais si c'est difficile, après je vais laisser. Mais là, dans ce cas, tu vois, dans la tradition ou bien dans la coutume, etc., mais pas à l'église catholique. À l'église catholique, une fois que tu as célébré, c'est pour toujours. Et si tu recules et que tu coupe ce mariage, c'est que tu n'auras plus accès aux autres sacrements. Tu ne peux pas communier, tu ne peux pas te confesser, et tu ne peux pas faire quoi que ce soit qui soit valide aux yeux de l'Église catholique. Et dans l'Église catholique,
Comment faites-vous pour rassurer la solidité du mariage, que le mariage dure toujours et qu'il ne puisse pas se défaire un jour? Eh bien, moi, je vais laisser la parole à Augustin parce que oui. Vous êtes en train de poser la question qui se réfère à l'accompagnement. Je pense que c'est très important cette question parce qu'il ne suffit pas de dire que, bon, on va célébrer le mariage et puis on va essayer de vivre ensemble. La vie ensemble, c'est pas donné. On sent, non, on le voit, quand les jeunes, ils s'approchent pour se marier, ils sont chauds. Oui. Et puis, finit la lune de miel, et puis, je ne savais pas qu'il était comme ça. Oui. Bon, voilà, et comment on peut pallier à cette situation? Quand un couple va voir son curé, le curé le confie à l'équipe de la pastorale familiale. Surtout aux couples chrétiens adultes ayant une certaine expérience de la vie, donc de couple, de la vie de famille, et qui les prépare, mais en collaboration avec le curé, avec le prêtre toujours, parce que les couples peuvent rencontrer des difficultés que c'est le prêtre qui, avec la lumière de l'évangile, peut aussi les aider à pouvoir bien donc préparer ces jeunes-là au mariage. Et ici, dans le diocèse de N'Djamena, nous avons un outil de préparation des couples au mariage de ces fiancés-là. Ça s'appelle le parcours de préparation à la vie de couple et au mariage chrétien. Je pense qu'à un moment, les jeunes avaient des difficultés parce que vous voyez, le temps moderne, quand c'est arrivé, ça a surpris beaucoup de jeunes, hein, parce que c'est l'occasion pour les jeunes de balancer les choses qu'ils avaient, d'adhérer à des choses nouvelles qui arrivent et de dire, bon, celles qui arrivent sont belles, et puis à un moment de se rendre compte que, mais non, c'est pas tellement beau. Et puis, ce que nous avions, il y a des belles choses aussi. C'est, ouais, dans notre vie chrétienne, nous sommes dans cette phase-là. Où il faut discerner entre ce qui est vrai pour nous et qui nous fait le bien et ce qui est faux pour nous et qui nous fait mal. Les jeunes, ce discernement-là, il faut le faire et aider les jeunes à comprendre cela. Moi, je ne dirais pas que tous les jeunes sont dans la dépravation des mœurs. Il y a des gens qui sont vraiment honnêtes, mais il y en a qui sont bons. Ils vont dans tous les sens, mais ça aussi, ça relève de l'éducation, l'éducation de la tendre enfance. Parce que ce n'est pas en forçant les jeunes à faire ceci ou à faire cela qu'ils vont le faire, mais c'est en leur expliquant. Et le problème maintenant, le drame pour nous maintenant, c'est que les parents ont démissionné dans l'éducation des enfants. Ils pensent que l'école éduque, mais l'école n'éduque pas. L'école instruit, mais n'éduque jamais. Quand nous devons nous protéger et protéger les autres. Le père dit, ça c'est mesure de prudence. Même si Covid-19 arrive à disparaître, nous devons vivre comme maintenant, pas comme avant. Parce qu'on a déjà changé un peu de comportement, donc nous devrons rester sur cet élan. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission avec attention. J'espère que vous et moi avions bénéficié de ce moment pour connaître un peu ce que, bon, en profondeur, mais pas beaucoup, ce que l'Église catholique dit par rapport au mariage. D'ici là, portez-vous bien, restez chez vous, s'il y a rien à faire dehors, si vous voulez tousser, c'est comme ça. Et la distance, c'est toujours presque plus d'un mètre comme nous on a fait ici. Continuez à suivre le programme de la Télé-Tchad. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci.